Chapitre 8. Défriser l'être. À Cordicopolis, le consensus qui fait la guerre contre chaque individu ne peut apparaître crédible et désirable, aux yeux de l'usager qui reçoit les coups, qu'à condition de le convaincre que cette guerre lui est livrée pour son bien. D'où la campagne perpétuelle d'intoxication sucre d'orge, île mystérieuse, manège de chevaux de bois, parc attractif avec hominien en plastique, carrousel des merveilles et jamborée. Notre village planétaire fourmille, comme tous les villages, de dames patronesses atroces, de chaisières épouvantables, mais il ne pouvait s'imposer sans discussion qu'après avoir camouflé celle-ci en présentateur vedette ou en médecin sans frontières au milieu des décors polynésiens avec feu de camp de scout tous les soirs. On a eu bien tort de ne pas se méfier quand on a vu l'abbé Pierre résurgir d'une des mythologies de Barthes où tout le monde le croyait enterré depuis les années 50. Avec lui, se sont engouffrés dans nos cerveaux Mère Teresa, Saint Coluche, Bob Geldof, le sucré Kouchner, toutes les têtes couronnées de la cordicocratie dominante. C'était la fin de l'âge de l'analyse, la mort de la vision critique, le début d'un nouveau monde. Quiconque voudrait faire désormais des questions morales une matière d'étude s'ouvrirait un immense champ de travail, écrivait Nietzsche en 1882. Ce serait malheureusement là, aujourd'hui, une entreprise des plus périlleuses. L'histoire vraiment cruelle, vraiment réelle, des variations de la bienfaisance, avec ses crues, ses crises, ses comédies de folie douce ou furieuse, ce n'est pas demain qu'on l'imprimera. On aurait le monde contre soi. Le pouvoir cordicole ne se sent plus depuis ses toutes dernières conquêtes. Il faut avoir vu les médias chanter le grand vent d'espoir à l'Est, la victoire planétaire de la démocratie sur les barbaries, pour comprendre que le triomphe qu'il célébrait sur les tyrannies ultra dépassées était le leur, strictement. N'était-il pas urgent que disparaissent ces despotismes ringards qui privaient non seulement des peuples entiers de pain ou de chauffage, mais surtout de McDo, de clubs méditerranéens et de soap-opéra? 2 heures de télé par jour et une seule chaîne en Roumanie du temps des Sosescu. C'est comme Happy End de feuilleton américain que la décommunisation prend sa vraie signification. Le sang versé à Bucarest ne lui a apporté sur la fin que la couleur romantique qui lui manquait. Et puis, très vite, le conte de fées a repris le dessus. Je me souviens que la révolution roumaine elle-même s'était filochée vers le premier de l'an, dans les attendrissantes tribulations de 83 petits orphelins adoptés par des familles françaises. De même que ce qui m'a le plus frappé quand s'effondra le mur de Berlin, ce fut cette jeune femme accourue pour sanctifier l'événement en accouchant là, sur place, au milieu de la foule en liesse. Cordicopolis supplante Yalta. Et tout finit par du sirop. En un an, le monde a plus changé qu'en 10. Comme c'est la pub qui a eu cette illumination, vous pouvez vous dire que c'est du toc. Mais pas question de parler trop haut, ni de révéler, moi, quelle reconnaissance tordue j'ai ressentie envers Sosescu et les Roumains de nous arracher quelques instants à la prostration de Noël en 1989 et aux suppliciantes fêtes de fin d'année. Comme plus tard, j'ai apprécié à sa juste valeur Saddam Hussein relançant l'intérêt avec son invasion satanique en pleine torture du mois d'août. Un peu de vinaigre dans tout ce miel. Mais pas question de trop en parler. Dans la grande aube cordicole, tous les loups-garous deviendront roses. Les derniers pays, en retard, doivent être rhabillés téléthon juste avant la fin du millénaire, remaquillés d'extrême justesse, repeuplés de jouets éducatifs, de bébés phoques, d'aliments non cancérigènes. Juste à la minute où je parle, l'individu qui tyrannisait l'Éthiopie depuis déjà pas mal de temps vient de filer sans tambour ni trompette. C'est une excellente nouvelle, bien entendu. Mais par-delà le cas de ce misérable, la leçon est facile à comprendre. Quiconque sera surpris désormais en flagrant délit de non-militance en faveur du consensus se verra impitoyablement viré, liquidé, salement sanctionné. Comment la réalité tiendrait-elle devant de pareils sortilèges? Les événements n'existant presque plus, il faut en décréter de toutes pièces et dans le plus grand arbitraire. Le véritable style de l'époque se laisse très bien déchiffrer à travers les pseudo-manifestations, par exemple, que planifient inlassablement les bons apôtres des Nations Unies. Journée internationale des enfants innocents victimes d'agressions, journée internationale de la paix, semaine de solidarité contre le racisme, décennie des transports en Afrique, deuxième décennie de l'eau potable, troisième décennie du développement. Je n'invente rien,
Je cite, c'est tout. Que peut la nausée en face d'un enfant qui meurt de faim? Demande le catéchisme sartrien. Rien, lui répond l'écho fidèle. Mais la multilatérale cordicole, elle, sait utiliser à tour de bras, et bien au-delà de toute nausée, les images des enfants morts de faim. La vie est courte, les affaires sont les affaires. Aujourd'hui, pour faire gicler l'argent des coffres, il faut au moins, et en prime time, soulever un linceul de temps en temps, montrer aux téléspectateurs un bébé somalien, par exemple, qui vient de mourir de la famine. J'ai l'air d'énumérer sans ordre, dans un beau désordre au moins qu'on pourrait prendre pour un effet de l'art si on savait encore ce que c'est. Mais ces phénomènes méritent-ils mieux? Je les vois venir comme ils veulent, je ne les choisis pas, je les laisse passer. J'épouse ce chaos, ce bazar, cette foire aux symptômes colorés. Je voudrais bien canaliser, éviter les embouteillages, mais que voulez-vous? Tout se rue dans un même carnaval où il n'est plus possible de trier, depuis les dénonciations de l'argent corrupteur, de la jungle des OPA, du gangstérisme des affaires, jusqu'à la télé divinisée comme instrument de dialogue entre les générations, intégratrice des classes sociales, agent du mélange démocratique, de la grande fusion finale unisexe, au terme de laquelle il n'y aura plus qu'une seule tribu planétaire de consommateurs asservis et ravis de l'être, en passant par le courageux engagement des jeunes pour la paix, pour les blousons machins, contre les drogues dures, pour les valeurs hip-hop, contre les infos malhonnêtes, contre la violence dans les cités aussi bien que dans les feuilletons japonais. Toujours la moralité sans risque d'erreur, rirait Nietzsche à ma place. Toujours les grandes paroles moralisantes, toujours les boum-boum de justice, de sagesse, de sainteté, de vertu, toujours le stoïcisme de l'attitude. Et aussi, considérer les détresses de tout genre comme un obstacle en soi, comme quelque chose qu'il faut abolir, voilà bien la niaiserie par excellence, et, en généralisant, un vrai malheur par ses conséquences, une funeste bêtise, presque aussi bête que serait la volonté d'abolir le mauvais temps, par pitié, par exemple, pour les pauvres gens. Sauf que la comédie d'abolition du mauvais temps est une mise en scène, elle aussi, chaque soir, lorsqu'on vous raconte la météo en psychologisant l'anticyclone, en diabolisant telle pluie diluvienne sur le Cotentin, telle absence de neige dans les stations de sport d'hiver alors que la saison des skieurs vient de commencer, tel été pourri, telle sécheresse inadmissible, tel printemps glacé. Autant de dérèglements qui, transposés en moments de télé, deviennent d'évidentes atteintes aux droits climatiques de l'homme. Mais le rêve, le vrai, c'est bien sûr l'abolition du temps tout court, la suppression consensuelle des avanies de la durée. Il n'y a déjà plus d'années, tout juste quelques mois plus ou moins maussades pendant lesquels on prépare le grand week-end du 1er mai au 31 août. Le reste est vécu comme un résidu, un bout de négativité à liquider, un à côté de part maudite, une sorte d'archaïsme météorologique dont il serait urgent de se défaire. Comment le goût du jour, l'esthétique de la période, n'en serait-il pas changé de fond en comble? Les mauvais sentiments ne représentent peut-être pas la garantie absolue de la bonne littérature, mais les bons, en revanche, sont une assurance béton pour faire perdurer, pour faire croître et embellir tout ce qu'on peut imaginer de plus faux, de plus grotesquement pleurnichard, de plus salement kitsch, de plus pré-raphaélite goitreux, de plus romantique apathique, de plus victorien populiste qui se soit jamais abattu sur aucun public. La réalité ne tient pas debout en plein vent caritatif. Un romancier véridique aujourd'hui serait traité comme autrefois les porteurs de mauvaises nouvelles. On le mettrait à mort séance tenante, des remises du manuscrit. C'est pour cela exactement qu'il n'y a plus de romancier. Parce que quelqu'un qui oserait aller à fond, réellement, et jusqu'au bout de ce qui est observable, ne pourrait qu'apparaître porteur de nouvelles affreusement désagréables. La littérature? Il y a des fêtes du livre pour ça. L'air du temps cherche tout ce qui unit. Rien n'est écœurant comme cette pêche obscène aux convergences. Nous vivons sous une arrogance puritaine comme on en a rarement vu, sauf avant 89 peut-être, lorsqu'on fondait à l'évocation de la simplicité des mœurs rustiques, quand on faisait bâtir dans les jardins des temples à l'amitié et à la bienfaisance, quand Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre prêchaient l'amour de la vie sauvage, un peu comme Michel Serres aujourd'hui, la religion des sites naturels et la mise en quarantaine en tant que néo-incroyant de ceux qui laissent partout des papiers gras sur leur passage.
qui n'a point de religion ne doit pas se dire athée ou mécréant, mais négligent. Ah, cet impayable contrat naturel supercordical de serre, l'Alphonse Daudet de la néo-épistémologie médiatisée, saisie par la débauche écologique, le petit chose du concept devenu académicien, toute la pensée, toute la philosophie du monde asphyxiée dans un seul calamiteux effet de serre, réduite à ces néolettres de mon moulin. L'enfer contemporain est pavé de bonnes dévotions qu'il serait si agréable de piétiner. C'est un crime contre l'esprit. C'est une désertion gravissime de ne pas essayer jour après jour d'étrayer quelques crapuleries. Les gens ne croient plus, dit-on, que ce qu'ils ont vu à la télé. Ça tombe bien. La littérature a toujours été là, en principe du moins, pour démolir ce que tout le monde croit. S'il en existait encore une, s'il y avait encore des écrivains au lieu d'auteurs, au lieu de livres, on pourrait peut-être se divertir. Toute entreprise d'envergure a toujours été dans ce domaine, par un bout ou par un autre, franchement démoralisatrice, saccageuse de pastoral. Voyez les niaiseries de chevalerie pulvérisées dans Cervantes, ou encore la chimère religieuse à son plus haut point d'hégémonie pourchassée par Sade de bout en bout, ou le parti dévot dans Molière. Non, aucun grand écrivain n'a jamais accepté, quels que soient les dangers, de descendre de la constatation des données de la société à l'apologie de la nécessité de cette dernière. Et même certains trompent bien leur monde. Ils s'avancent voilés d'autant d'innocence que les piétés qu'ils veulent démettre. Ennuagés, souriants, sucrés, ils ont l'air de parler le langage de l'ennemi, de transpirer son idéal. Ils le piègent lentement du dedans, en réalité, par manœuvres vicieuses et suaves. Ils le piratent par la douceur. Aux idylles désarticulées par le rire de Don Quichotte répondent pour moi, et en sourdine, par exemple, les contes de fées détournés, les nursery rhymes pillés, engorgés jusqu'à la trombose, dans Alice au pays des merveilles, par la dérision de Lewis Carroll. Ce n'est sûrement pas la même tactique, mais c'est la même stratégie. Il m'est toujours apparu flagrant que le nonsense carolien rongeait comme une écume acide le sirop de l'universelle religion poétique et pédophilique, qu'il était le vitriol ingénu de cette province du consensus. Malheureusement, tout va très mal. Défriser l'être n'est pas ce qui plaît le plus actuellement. Il y aurait bien des nouveaux Billancourt à désespérer pourtant, tous les jours. Le vidéo-bazar de la charité, la vision Téléthon du monde, le paysage caritatif français, le bal global des cordicoles. L'embarras du choix, à vous de piocher. Tiens, revenons 5 minutes en arrière, sur un épisode oublié, vieux comme la guerre de 100 ans. Minuscule mais instructif. L'ennui avec l'actualité, l'ennui avec les événements, c'est qu'ils sont déjà tellement insignifiants par eux-mêmes, tellement déconsidérés d'avance, qu'on se déconsidère à son tour à essayer d'avoir leur peau. Enfin, tant pis, ne fléchissons pas. Comme dit Stendhal quelque part, je note des niaiseries parce que ce sont pour moi des découvertes. Redécouvrons donc, 5 minutes, cet épisode d'avant le déluge. La tentative étatique en France il y a quelques mois à peine de réformer l'orthographe. Il aurait fallu des talents d'analyse dont les adversaires de ce coup de force étaient dépourvus à un degré vertigineux, hélas, pour repérer la bassesse infinie de l'idéologie sous-jacente à cette escroquerie avortée. Ce n'était pas sorcier, pourtant. Ça ne nécessitait pas trop d'efforts, si on voulait découvrir le bout du nez de l'ennemi cordicole pointant derrière les meilleurs arguments. Qu'est-ce qu'il disait donc le réformateur, à qui on n'avait rien demandé ? Qu'il fallait liquider l'incohérence. Les incohérences, les exceptions, l'exception. L'exception en soi, ah, nous y voilà, l'exception, l'adversaire mortel de la norme, l'empêcheur de simplifier, de niveler la langue jusqu'à l'os dans le but de résorber l'échec scolaire, et surtout dans la perspective de la grande bataille de demain, celle de l'industrialisation informatique et de la traduction automatique par ordinateur. Rien de plus droit de l'homme que ce programme. Rien de plus intérêt général, rien de plus sympathiquement liquidateur des absurdités du passé. Le bien contre le mal, toujours. Un seul monde, une seule musique, un seul espéranto purifié, un seul mode de communication enfin utilisable par tous, accessible à tous les esclaves, au-delà des divergences et des conflits.
Rien de plus en phase profondément avec ces tags épidémiques par lesquels des dizaines de milliers d'inconnus affirment, depuis quelques années, leur droit légitime à s'exprimer, à sortir ensemble, et anonymement, de la masse des anonymes. La fontaine est dépassée. Dans le zoo cordicole de maintenant, les grenouilles en sont réduites à se faire plus grosses que les grenouilles. Comme il n'y a plus de paon depuis longtemps, les geais ne peuvent plus prétendre se distinguer qu'en se parant des plumes des autres geais.